Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 82 de la balade astrale consacrée à la saison du Sagittaire 2023. Je vous souhaite une très belle écoute. N'attachez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. La saison du Sagittaire 2023 démarre le 22 novembre lorsque le Soleil pénètre dans la zone de ce signe astrologique. Au cours de cette saison se produisent divers événements qui auront un impact sur nous, mais dont nous pouvons aussi utiliser les énergies pour notre croissance personnelle. Dans cet épisode, je vous invite à découvrir ces événements que nous détaillerons bien entendu tout au long du mois dans différents épisodes de podcast. Pour vous aider à travailler votre expansion personnelle, n'hésitez pas à vous procurer le workbook de la saison du Sagittaire qui est à présent disponible sur mon site. La saison du Sagittaire se produit à cheval sur le cycle lunaire en Scorpion et celui du Sagittaire. Ainsi, entre le 22 novembre et le 27 novembre, les énergies du Sagittaire nous poussent à libérer tout ce qui nous a retenus auparavant et à intégrer les nouvelles données pour remplacer les morceaux. Du 27 novembre jusqu'au 12 décembre, soit de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune suivante, la saison du Sagittaire nous propose de faire une concordance de l'ensemble pour que nous puissions laisser émerger le nouveau mois, un mois complet, authentique et réajusté. À partir du 12 décembre et jusqu'au 21, les énergies de la saison nous convient à nous imposer tels que nous sommes et de repartir sur les nouvelles bases en semant les graines qui auront le temps de germer durant l'hiver afin de créer notre réalité différemment en fonction de nos envies, de nos désirs et de nos ambitions. Gouverné par Jupiter, le Sagittaire incarne l'expansion, la générosité et aussi la soif de connaissance. Cette période nous incite à explorer des horizons nouveaux, à élargir nos perceptions, à être dans l'enthousiasme qui émane de cette énergie optimiste. La saison du Sagittaire, de l'élément feu, nous réchauffe avant l'entrée dans l'hiver. Elle est le feu que nous rallumons dans les cheminées. C'est une saison qui nous demande de bouger, de rester vivants, nous rappelant que ce n'est pas la fin, mais juste un commencement. C'est le phénix qui renaît de ses cendres après les transformations réalisées durant la saison du Scorpion. C'est l'émergence d'un nouveau moi qui a toutes ses chances, qui peut réaliser ce que bon lui semble. La saison du Sagittaire démarre alors que nous sommes dans le cycle lunaire en Scorpion, un cycle qui a démarré le 13 novembre dernier et dont l'apogée sera la pleine lune en Gémeaux du 27 novembre. Et au cours de cette saison du Sagittaire, il y a bien l'avant-pleine lune et l'après-pleine lune. L'avant-pleine lune permettra de laisser émerger les prémices de notre nouveau moi, toutes les choses que nous avons découvertes ou transformées au cours des semaines précédentes. Et l'après-pleine lune nous invitera à réunifier intelligemment les parties de nous-mêmes afin que notre image extérieure soit alignée à notre image intérieure et que nos actions aillent dans le sens que nous souhaitons. Durant cette saison du Sagittaire se produisent donc divers événements astrologiques. Le premier, c'est l'entrée de Mars dans le signe du Sagittaire le 24 novembre. Avec Mars en Sagittaire, le dynamisme revient, créant un mélange palpitant de passion et d'aventure. La période est alors propice aux actions concrètes et à la réalisation de projets ambitieux. Cependant, et nous le verrons dans l'épisode consacré à Mars en Sagittaire, Mars sera en carré avec Saturne, un carré qui nous rappellera l'importance de rester ancré et de définir des priorités si nous ne voulons pas nous perdre dans des ambitions démesurées ou irréalisables. Puis le 27 novembre, ce sera la pleine lune en Gémeaux, une pleine lune qui marque l'apogée du cycle lunaire en Scorpion. Alors que le cycle en Scorpion encourage la régénération profonde, la pleine lune, elle, va éclairer nos choix et nos relations. Dans la dualité des Gémeaux, elle nous invite à trouver un équilibre authentique entre notre moi intérieur et la façade que nous présentons au monde. C'est donc une période qui donne une opportunité précieuse de prendre des décisions authentiques et de forger un nouveau moi prêt à briller pleinement. Puis le début du mois de décembre marque un virage sérieux dans les énergies. C'est un changement d'ambiance, car nous serons dans la phase descendante de la Lune, donc plus intériorisée, et en plus, Mercure va entrer en Capricorne le 1er décembre et Vénus va entrer en Scorpion le 4 décembre.
deux signes intériorisés également, deux signes d'introspection qui seront donc traversés par la planète du mental et celle des émotions. Ces influences vont nous inviter à interagir avec maturité et conscience profonde. Le passage de Mercure dans le signe du Capricorne, qui débute donc le 1er décembre, offre une période de planification, d'ambition et d'alignement. Mercure dans ce signe apporte une logique implacable, une organisation rigoureuse, favorisant bien sûr la clarté mentale et la communication directe. C'est un transit qui va nous encourager à exprimer clairement nos objectifs, à planifier des projets à long terme et à identifier les obstacles à notre croissance. Il va donc nous rendre beaucoup plus sérieux, mais aussi beaucoup plus têtus et obstinés. Mais comme c'est une période un peu d'intériorisation à ce moment-là, nous pourrions ne pas vraiment prendre en considération tous les paramètres, ou être trop brutal, trop direct. Car avec Mars en Sagittaire en parallèle, nous avons tendance à agir vite, avec spontanéité. Et donc avec Mercure en Capricorne, on a l'esprit logique, clair, déterminé. Donc c'est vraiment le fait d'être dans l'action pour soi, en fonction de ce que l'on croit, de ce que l'on pense, de ce que l'on sait, sans vraiment faire attention à la manière dont on le dit, la manière dont on le fait, et si toutes les conditions sont réunies autour. Et en même temps, donc, il y a Vénus qui entre en Scorpion, le 4. Un transit qui va nous plonger dans les eaux profondes des émotions et de nos relations. Un transit intense qui va souligner la recherche de liens profonds et authentiques, éliminant les éléments toxiques au passage. Ce transit va offrir l'occasion de comprendre nos propres émotions, comment elles ont tendance à influencer notre vie, nos choix, nos décisions, nos actions. Un transit qui va aussi nous conduire à explorer nos besoins sentimentaux, ce que l'on recherche, ce que l'on veut combler, ce qu'il nous manque. Et c'est donc un transit qui va nous conduire dans une compréhension bien plus profonde de nous-mêmes et qui pourrait même nous faire comprendre que parfois des choses qui nous arrivent dans la vie sont purement le produit ou le résultat des émotions qui nous emportent ou encore des comportements relationnels que nous avons afin de combler nos propres besoins. Donc, bien que nous soyons dans la saison du Sagittaire, qui est une saison lumineuse, optimiste, joyeuse, avec de l'élan, des ambitions, la quête de vérité, eh bien, comme nous n'avons pas encore tout recherché en nous, que nous n'avons pas encore recollé les morceaux, ou que nous n'avons pas encore cassé certaines choses, certains schémas que nous avons, eh bien, il est possible qu'on fasse un peu n'importe quoi, c'est vrai. Et il faut en être conscient. Mais ce n'est pas si grave hein, en soi. Et puis dans ce début du mois de décembre, il y a un autre événement astrologique. C'est la reprise en marche directe de Neptune en Poissons. Ce sera le 6 décembre, donc toujours à peu près à la même période hein, de début décembre. Et Neptune, qui reprend sa marche directe en Poissons jusqu'à la fin du mois de mars, on peut dire que l'on est dans la phase post-ombre de sa rétrogradation. Et nous en reparlerons évidemment dans un épisode dédié, hein, qui sera assez long d'ailleurs. Mais bon, quand Neptune reprend sa marche directe en Poissons, il se tourne à nouveau vers l'avenir. Il se tourne à nouveau vers l'inconnu. Alors ça peut être à la fois excitant et en même temps apeurant, parce qu'on va découvrir de nouvelles choses. On va accéder à d'autres intuitions, à d'autres idées. On avance, on fait un pas en avant vers l'avenir. Et en même temps, ça peut faire un peu peur, c'est vrai, d'aller explorer l'inconnu. Mais le danger, on va dire, de Neptune qui reprend sa marche directe en Poissons, c'est surtout le problème de l'illusion, des rêves trop grands, des ambitions démesurées. On peut se croire capable de tout. On est dans l'irréalité, si vous voulez. Donc on a un Mars à cette période-là, dynamique, enjoué, qui veut tout faire, qui veut s'étendre, qui veut tout réussir, avec un mental de Mercure en Capricorne, déterminé, ambitieux également, qui semble savoir ce qu'il doit faire, comment le faire, avec Vénus qui en parallèle travaille sur nos schémas internes liés à nos émotions, et en face de nous, un retour dans l'illusion, l'irréel. Et c'est vrai que cette période-là de début décembre, on peut avoir des comportements impulsifs, réactionnels, qui ne suivent que nos désirs finalement. Comme je le disais tout à l'heure, sans vraiment se soucier de savoir si c'est réalisable, si c'est utile, si c'est pérenne, etc.
Puis nous arriverons à la nouvelle lune en Sagittaire du 12 décembre 2023. Alors là, c'est un peu plus intéressant parce que nous sommes dans la saison du Sagittaire et c'est la nouvelle lune en Sagittaire, le 12 décembre. C'est une nouvelle lune qui va nous inciter à lancer de nouvelles aventures cette fois, mais en semant des graines pour l'avenir. À partir de cette période-là, une volonté de changement important, avec une compréhension plus concrète des choses, plus consciencieuse peut-être aussi, justement, des choses qui se produisent autour. Et ce qui est intéressant avec cette nouvelle lune en Sagittaire, et qui donc sera le nouveau cycle en Sagittaire, qui durera jusqu'à la mi-janvier, c'est qu'elle est en carré avec Neptune. Et ce carré-là va être intéressant, puisque comme je vous le disais, Neptune vient de reprendre sa marche en direct en Poissons, et qu'il nous renvoie dans l'illusion. Alors ce carré-là, justement, eh bien, il va nous permettre de rester ancrés dans la réalité. Donc nous aurons à la fois une clarté mentale, l'optimisme, des opportunités de croissance et la capacité en même temps de dépasser les illusions. Donc le cycle lunaire suivant va être beaucoup plus productif, plus intéressant, surtout dans le fait de ne pas faire n'importe quoi. Et ça sera encore plus important et encore plus facile à faire du fait que Mercure va entrer en rétrogradation dans le signe du Capricorne. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que en fait, Mercure qui rétrograde en Capricorne, dans un signe de terre, donc c'est souvent concret et on l'associe à tout ce qui est retard, empêchement, accident même avec le Capricorne. Mais à un niveau personnel, à un niveau intérieur, Mercure qui rétrograde en Capricorne nous renvoie à nouveau sur notre intérieur. Et là, ça va être justement pour nous permettre de remettre en question les objectifs que nous avons et aussi les plans que nous avons mis en place. Peut-être que nous pourrons revoir ces plans et leur donner une conception plus réaliste dans le but de réussir de manière beaucoup plus certaine. Cette rétrogradation-là, elle va nous permettre aussi d'aligner les pensées avec les actions. Et donc, on fera nettement moins n'importe quoi. On sera plus posé, plus réfléchi, peut-être un peu plus renfermé, peut-être un peu plus caractériel aussi, c'est vrai, mais avec cette capacité de revoir les plans, de réenvisager les objectifs, peut-être même de leur donner une autre finalité, et donc de remettre en place tout ce que nous pourrons remettre en place de manière à repartir après sur de nouvelles bases. Et c'est là en fait que vont se planter les graines que nous pourrons faire évoluer tout au long de l'hiver et qui pourront émerger, pousser, croître, grandir, donner des premiers résultats à partir du printemps. Et puis nous entrerons là après dans la saison du Capricorne, donc ce sera un autre épisode, un autre moment dont je vous parlerai donc évidemment au moment venu. J'espère que cette vue d'ensemble de la saison du Sagittaire a été comprise, que vous en saisissez la finalité globale. Ainsi, vous voyez un peu de là où on part et de là où on va arriver et dans quelles conditions nous entrerons dans la saison du Capricorne finalement. Donc comme je vous le disais, je vous retrouverai tout au long du mois avec un épisode consacré à chacun des événements astrologiques dont je vous ai parlé aujourd'hui, en le détaillant évidemment davantage, pour vous permettre d'utiliser ces énergies-là au mieux pour vous-même, en pleine conscience de ce que ces événements représentent au niveau énergétique. Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous retrouve donc très bientôt pour d'autres épisodes.